Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo, mais une vidéo importante puisqu'elle va parler de l'avenir de la chaîne. Vous l'avez peut-être remarqué, ces derniers temps, le rythme de sortie des vidéos a pas mal diminué, voilà. La durée des vidéos est elle aussi diminuée. Bah en fait c'est parce que tout simplement j'ai moins de motivation pour faire des vidéos. Mais c'est pas la première fois que ça m'arrive, ça m'était déjà arrivé et la dernière fois bah, j'avais fait un break tout simplement. Et j'avais pas sorti de vidéo pendant plusieurs mois sur la chaîne. Mais j'ai toujours envie de faire des vidéos. J'ai toujours envie de parler des parcs et de ma passion, voilà. Et c'est pour ça que je ne compte pas arrêter YouTube. Cependant, je pense que la chaîne a vraiment besoin d'évoluer. Je me sens plus trop à l'aise avec le format actuel, voilà. Et j'ai besoin de changement. En fait, j'ai vraiment envie de faire progresser la chaîne en qualité, peut-être même sortir plus de vidéos, voilà, pour vraiment être productif, mais tout en faisant du contenu assez qualitatif. Et voilà, en fait, avec le format actuel, j'ai l'impression que j'ai du mal à progresser et à gagner en qualité, et ça me convient plus en fait ce que je fais. Donc je vais en venir au fait qu'il n'y aura pas de vidéos pendant les vacances, parce que j'ai besoin de faire un break. Et en plus, je pars en vacances, tout ça. Et je pense que ça va me faire du bien. Et j'ai déjà des idées pour le futur de la chaîne à la rentrée. Et il y a beaucoup de choses qui vont changer, vraiment. Je veux vraiment changer le format de mes vidéos actuelles. Et en fait, ce changement de format, il s'accompagne de l'acquisition d'une GoPro. Donc une GoPro Hero 7 Silver, pour ceux qui connaissent. Qui va m'aider à renouveler la chaîne, en fait. Alors je vais pas me mettre au vlog parce que c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse et je sais pas bien les faire, je pense qu'il y a des gens qui savent mieux le faire que moi. Mais en revanche, en fait, avec cette caméra, je vais pouvoir avoir mes propres images de parc. Et en fait, mon but, ça va être d'avoir le plus de contenu dans mes vidéos qui m'appartient. Voilà. En fait, j'ai envie de vraiment créer mes vidéos de A à Z. Avec mon propre contenu, au lieu d'emprunter, avant j'empruntais des images un peu partout sur internet. Bon, bien sûr, il y a des coasters que je pourrais pas filmer, hein, genre j'ai pas prévu d'aller aux États-Unis ou en Asie, voilà. Mais au fur et à mesure que je vais faire des parcs, je vais avoir de plus en plus d'images qui vont m'appartenir. Et en fait, ça fait du bien de sentir que ce qu'il y a dans nos vidéos, c'est notre propre contenu. Mais surtout, la GoPro va m'aider à changer le format de mes vidéos, puisque j'ai envie de passer sur un format facecam avec un peu de montage, tout ça, comme peuvent le faire d'autres youtubeurs comme EDB, First Drop ou même Dinrel sur certaines vidéos. J'ai envie de passer sur ce format-là parce que je trouve que c'est un format qui est assez dynamique et j'ai envie de dynamiser mes vidéos parce que je trouve qu'une vidéo dynamique, c'est plus intéressant à suivre. Et voilà, et vu que je veux faire monter la qualité de mes vidéos et de ma chaîne, j'ai besoin de ce changement. J'ai jamais fait ce genre de vidéo, alors forcément au début je pense que j'aurai un petit peu de mal, mais mon but ça va être de progresser et vraiment au fur et à mesure de proposer un contenu vraiment de qualité. Et pourquoi pas atteindre le niveau de grand youtubeur que je vous ai cité avant. Donc voilà, j'ai vraiment des ambitions pour cette chaîne. Faut juste que je trouve la motivation. Que je la garde surtout, c'est ça le truc, parce que souvent je suis motivé, puis après, voilà, au final, voilà. Là, faut que je trouve la motivation, mais en plus, il faut que je la garde. Et je pense que ce format, ça va vraiment m'aider, ça va vraiment faire du bien à la chaîne. Sinon, j'ai une petite annonce, enfin, petite, ça me fait quand même très plaisir, c'est que mon trip à Fantasyland semble se confirmer, et je devrais m'y rendre à la mi-août de cette année. Bon, malheureusement, je pense pas que Fly sera ouvert, hein, j'y crois plus trop pour cette année. Avec tout ce qui s'est passé, je les vois mal ouvrir Fly en 2020. Mais c'est pas grave, ça reste quand même un très bon parc et j'ai très hâte d'y aller. Donc voilà pour les quelques annonces que j'avais à faire. Comme vous l'avez vu, j'ai de grandes ambitions pour le futur de la chaîne. Et voilà, j'espère pouvoir les tenir et j'espère pouvoir progresser et proposer du contenu de plus en plus qualitatif. Et pourquoi pas atteindre des sommets. Je sais pas, atteindre les 10 000 abonnés, voilà, ce serait ouf. Mais ça, c'est grâce à vous, parce que vous me soutenez, vous laissez des likes, vous abonnez, parfois vous partagez, voilà. Et ma chaîne, elle a grandi, mine de rien. Et je suis vraiment content du chemin que j'ai fait. Mais j'ai envie de passer à l'étape supérieure et j'ai besoin de changement.
Donc voilà, j'espère que vous me soutiendrez dans ce changement, que vous serez toujours là, que la chaîne conservera toujours l'âme que vous aimez. Et voilà, et on verra bien. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et sur ce, bah, je vous dis à la rentrée pour de prochaines vidéos.